Vendredi, c'est un Aurillac aux abois qui recevra Brive. Les Auvergnats, 13e du championnat, ne sont pas encore à l'abri d'une possible relégation. En face, les Limousins, second de Pro D2, viendront chercher les points pour préserver leur classement. Je pense que c'est définitivement l'un des plus gros matchs de la saison. Ils seront là pour nous battre, on doit être prêts. Les deux équipes ont beaucoup à gagner et beaucoup à perdre en même temps. Même si les deux équipes partagent des valeurs communes et de l'amitié, ce derby sera tout sauf une partie de plaisir pour les Corréziens. Le CAB reste sur 3 victoires d'affilée, mais la dernière contre le Stade Montois n'a pas rassuré. Une deuxième mi-temps en guise d'avertissement sans frais pour les Coujoux à ne pas reproduire vendredi soir. Il va falloir éviter les trous d'air, il va falloir éviter de faire beaucoup de fautes, il va falloir être pragmatique. Dès qu'on va avoir une occasion d'essai ou une occasion de marque, il va falloir la mettre. Voilà, ce sera pas, je ne pense pas que ce soit un derby où il y aura de grandes envolées, mais ce sera un derby serré, un derby avec beaucoup de combats et voilà, un derby dur. À nous de répondre présent si on veut garder, disons, une petite marge pour pouvoir s'assurer une demi à domicile. Il faut faire gaffe parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Un CAB dont la dernière victoire dans le Cantal remonte à 2002. Vendredi soir à Jean-Alric, les brévistes devront faire preuve de caractère pour mettre fin à cette série.